Bonjour à tous, c'est Bolustrade, heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Effectivement, le retour des foot après quelques semaines d'absence. Ça fait plaisir de vous voir. Effectivement, il y a eu quelques petits moments de latence, hein, voilà, ça fait pas mal de temps que j'en ai pas fait. Je vais vous expliquer pourquoi. La première raison, c'est que j'ai moins le temps, voilà, parce que j'ai un boulot maintenant, et oui, j'ai un travail. D'ailleurs, vous pouvez le voir, butfootballclub.fr, vous cliquez, c'est un site internet qui parle de foot, vous l'avez compris dans le titre, hein, normalement vous l'avez compris. Et là, forcément, vous dites que ce que je fais dans cette truc-là, eh ben je fais des vidéos, bah oui, et vous pouvez d'ailleurs aller le voir sur la chaîne Dailymotion, butfootballclub.tv. Voilà, vous y allez, normalement tous les liens sont dans la description. Si vous aimez le football, vous devrez aimer ça. Et ça me fait plaisir de vous retrouver, de retrouver Jean-Mi également. Oui, c'est vrai, ça me fait vraiment plaisir. Parce que finalement, pendant 3 semaines, t'étais un petit peu au chômage technique, hein. C'est vrai que t'as pas fait grand chose, hein, effectivement. Parce que, sachez-le, hein, il ne fait rien d'autre. Si, si, il stresse un petit peu à cause des élections, des machins, des trucs. Il est un peu tendu, là. Il est un peu niais, donc il va pas beaucoup interagir, je le sens. Il est un peu fermé. Mais quand il va interagir, je vous annonce qu'il va envoyer du boudin. Envoyer du boudin, c'est un style d'expression inconnu. Mais bon, on va l'espérer. Là, c'est parti, vous avez vu? Pif! Oh! Enter Draft, regardez, je clique! On est de retour sur l'application, effectivement, ça me fait super plaisir. Pourquoi je suis de retour sur cette application, c'est tout simple parce qu'effectivement il y a eu des mises à jour et c'est très intéressant de voir ça. Regardez tous ces petits systèmes déjà. Vous allez voir les quelques petites mises à jour, elles sont très sympas. Je ne sais pas quoi prendre. On va dire le 3-5-2 peut-être parce qu'il y a des possibilités d'avoir des gros joueurs ou alors un 4-5-1. Ouais, les 4-5-1. Allez, on prend le 4-5-1. C'est parti avec Diego Costa, Rodriguez, Çalhanoğlu, Isco ou Agüero. Ah, Agüero est pas mal. Je vais pas vous le cacher, Agüero 91. On apprécie, mais Isco 90 c'est bien, donc je vais prendre Isco 90. On va faire une petite espagnole, je vais pas vous le cacher. Donc c'est parti. Oh, une petite pub. Bilas Pro, super, on est content. Alors, let's go. Les gardiens moto là. Peut-être souhaitez-vous. Gardien. Qui on va prendre? Bon, on va prendre Courtois, c'est le seul gardien. On va faire ça en vite fait, en speed. Hein, vous le savez, comme la première vidéo. Et puis, on verra par la suite. Hein. Si c'est cool, c'est cool. Si c'est pas cool, bah c'est pas cool. C'est une super explication. On y va. Bon, Siqueira est très moyen, hein, mais bon, il joue en Espagne, donc tac, on le prend. Pas un mec qui joue en Espagne, pas un. Gros scandale, je suis obligé de prendre le chevelu. Voilà, vache. C'est un super choix. Je vais prendre Ake, allez, on va prendre Ake. Ake pas ça. Voilà, Alexandre Blaye. Ah, ça va. On peut pas trop se plaindre. Des Marcos, c'est bien. 84 de général. Tac, on prend, c'est plutôt pas mal. Voilà. On est bien comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont contre moi? J'ai rien demandé, purée. Ravi Marquez, bah on prend Ravi Marquez. Bon, Ganso, on va prendre, c'est pas mal. Allez, c'est pas mal, c'est pas mal. On prend Ganso parce que c'est très clairement le meilleur joueur. Bon, il y avait un CM au-dessus, mais je préfère Ganso. Allez, c'est parti. Yes, Gareth Bale. Alors, j'aurais préféré Messi forcément, mais Gareth Bale, c'est quand même bien, on va pas se plaindre. On le prend, paf. Oh, mais c'est pas possible. Ça me donne envie de recommencer. C'est ouf, purée. Bon, on va prendre... déjà, j'ai craché sur mon téléphone, donc c'est pas terrible. On va prendre Ouché. Enfin, là, on est content et on essuie le téléphone, c'est mieux. Évidemment, quand les joueurs sont pas mal, il y en a plein qui jouent en Espagne. C'est pas possible. Hasard, du coup. Bon, comme vous pouvez le constater, il y a quelques petits bugs dans cette équipe. Il faut absolument trouver des joueurs en Espagne. Parce que très clairement, moi, je suis parti là-dessus. Hein, entre Siqueira, Demarco, Cisco, Ganso et Bale, ça fait 5 joueurs sur 11, c'est trop peu. Il faut que les remplaçants soient bons, c'est parti. Donc là, vous l'avez effectivement compris, tout sera accéléré jusqu'à la fin. Enfin, jusqu'à la fin de mon équipe, parce que c'est pas intéressant. Hein. J'ai fait les remplaçants et les réservistes en parlant comme ça. Voilà, c'était nul. Donc là, effectivement, tout est en accéléré. Donc là, il y a quelques secondes d'attente, excusez-moi. Hein, j'ai décidé de bloquer ça par un petit temps de parole. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire sur moi? Bon, bah déjà, je m'appelle Bulistrat, c'est sympa. Mais vous savez, je crois, je suis fan de me gratter les oreilles. Voilà, j'adore ça avec le cérébral et tout. Qu'est-ce que j'aime? J'aime le foot. Ça vous l'avez marqué, j'aime rien à comme quoi tout arrive. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de intéressant qui risque de vous intéresser parce qu'il faut que je vous intéresse il y a quelques secondes. Ah oui, regardez cette gueule de con. Je suis ridicule. Voilà, c'est beau, hein. Attention, ça va bientôt finir. Voilà, attention, voilà. Bah voilà, je peux pas faire beaucoup mieux, c'est quand même pas si mal du tout, hein, 187 de notes. On a un côté droit de qualité, très clairement, avec Isco, Messi et Demarcos. Par contre, on a un petit souci sur le côté gauche. Tiens, d'ailleurs, on va faire ça. C'est un petit peu mieux, on a des liens verts qui se dessinent. Mais bon, voilà, finalement, c'est pas si mal, 187 de notes. On va partir pour la compétition et c'est là qu'il y a le plus de changements. Waouh, c'est pas mal du tout. On joue contre City, c'est parti. On espère gagner contre City. Si on perd, c'est moche, hein, pour la vidéo, c'est dommage. Mais bon, c'est parti, on perd de 0. Allez, 2-2, allez, on peut le faire. On peut revenir.
On l'a fait, la vache. Et c'est Ravi Marquez, le moins bon qui marque. Bon alors 3-2, là il y a un gros changement, regardez. Parce que je clique et hop là, on gagne des pièces. Alors là avec ces pièces là, on peut peut-être faire des petites choses. Je vais vous montrer peut-être plus tard dans une autre vidéo si on continue. Mais voilà, 3900 pièces, ok, on accepte, on les prend. On passe donc au tour suivant et on affronte l'Atletico, ça va être chaud. Allez c'est parti, s'il vous plaît les gars, gagnez. Vous voyez Nani, on est content, Ganso, on est très content. Allez on continue. On continue, s'il vous plaît, on garde le score. Et voilà, 2-0, on est bien, on gagne des pièces. 3600 pièces, parce qu'on a mis un peu moins de buts, c'est pour ça. Vous voyez, très clairement, ah, c'est les buts qui font la différence. Donc 2-0, on est bien. Et on joue contre le Barça, ah, ça va être chaud. Bon allez, c'est parti. Très clairement, je suis pas très confiant. J'ai pas très confiant, mais ça se passe bien, puisqu'on mène 2-1, voilà, Ravi Marquez, c'est bien. Allez, continue, 3-1, mais attends, on va battre le Barça. On a battu le Barça. Et en face, c'est Paris-Ron. Non ! Pas Bailey de lead. C'est le Paris Saint-Germain. Ah non, c'est bien, hein. C'est pas mal, on est pas mal. Ça fait 3-1, donc 3900 pièces et on est en finale. Et alors ça, c'est cool, contre Chelsea. Et oui, je prononcerai mal le club Chelsea, c'est mieux comme ça. On va pouvoir y aller. Allez, let's go. On va essayer de gagner ce match-là. 30 minutes de jeu, on marque avec Nani juste avant. Là, 28, oh, Ganso. 2-0, 2-1. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Victoire, 2 buts à 1, ça c'est cool. On gagne donc des pièces et là aussi il y a du changement normalement dans les packs. Avec, voilà, vous l'avez vu, le spécial pack. C'est un peu plus fort, c'est un petit peu mieux. C'est cool, voilà, on est content. Et en plus il y a une petite animation généralement quand ça se fait. Bon, vous allez voir. Le premier pack, c'est parti. La carte se retourne, oh c'est une carte boost. Les paillettes qui tombent. Oh, Chicharito Hernandez, 86 de notes. On clique et on a, bon, un pack un peu dégueu derrière. Mais c'est quand même bien, on a Chicharito. Moi je suis content de voir Walker également dans le pack. C'est un super latéral droit, Kyle Walker. Donc on prend, on est content, 184 points gagnés grâce à ce pack. C'est parti, on passe pour le deuxième. On clique, la carte se retourne. Pas de boost, rien, mais des paillettes, ça va être un bon joueur. Ça va être un bon joueur. Ronaldo! Boom! What the fuck? C'était horrible ce plan. Ronaldo, 94 de notes, je suis content. Bon, je vais pas vous mentir, hein, je l'ai déjà, Ronaldo. Je l'ai déjà. C'est bien, alors on a que lui. Oh, Baldé Diao, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Baldé Diao, j'aime beaucoup Saoul aussi, parce que c'est mon petit côté Atletico. Mais Ronaldo, ok, très bien. On passe au dernier pack. Allez, là, c'est important. On clique. La carte sort. Légende! Légende, 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 les gars! Légende! C'est qui? C'est Bergkamp! Oh, j'ai fait Miss Bergkamp! C'est la première fois que j'ai une légende, je vous jure, c'est une première fois pour moi d'avoir une légende. Et puis j'ai un boost derrière Nicolas Palois, alors c'est un boost pourri. Mais on est quand même content de l'avoir. Nicolas Palois, Bergkamp, Rougani. Bon, après, c'est un peu moins bon derrière. Ah là là, que c'est bon d'avoir ça! On est content! Ah, c'est jouissif, hein. Franchement, c'est jouissif. Vous inquiétez pas, je vais faire une autre vidéo sur ce jeu. J'espère que ça va être sympa, voilà. A bientôt sur la chaîne Foot News, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Au revoir. Sit here thinking of you. Maybe I'm